Ne t'inquiète pas, ma chérie, je suis sûr que ça va très bien se passer. On va avoir de très bonnes nouvelles et il faut rester positif. Mais chérie, ça fait déjà 5 ans qu'on essaye d'avoir un enfant et on n'y arrive pas et je suis sûre en plus que c'est de ma faute. Non, arrête de dire ça, c'est absolument pas de ta faute. Et puis, même si on n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est pas grave. Moi, je t'aime et c'est largement suffisant. Moi aussi, je t'aime, mon chéri, mais j'ai tellement d'amour à donner. Même si je voulais plein d'enfants, maintenant, si j'en ai un, je serais déjà tellement fière. Écoute, on est là justement pour voir s'ils peuvent nous aider à concevoir un enfant. Maintenant, si ça arrive, bah tant mieux. Si ça n'arrive pas, il faut pas que tu te prennes la tête. Ce n'est pas grave. C'était comment? Monsieur et Madame Carotte, vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? On va s'installer dans mon bureau. Alors, Monsieur et Madame Carotte, que puis-je faire pour vous? Comme convenu, on vous a appelé par téléphone et on a pris rendez-vous pour que vous puissiez nous aider à concevoir un enfant. Ah oui, effectivement, c'est bon, je me rappelle de cet appel. Alors, votre dossier, on m'avait tout donné par téléphone. Effectivement, donc, d'après les informations que j'ai, ça fait 5 ans que vous essayez d'avoir un enfant et que c'est non. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, on peut vous aider à avoir un enfant. Les probabilités de chance, je vous préviens, ne sont pas de 100%, mais on peut tenter et en général, ça se passe plutôt bien, et puis en général, ça on peut le faire à partir déjà d'un an d'essai de conception. Ça fait 5 ans, pas de problème pour votre dossier. Ok, d'accord. Donc, moi ce que je propose, c'est que bah, on garde vos informations, et ce soir, on va tenter de faire une conception in vitro, c'est-à-dire qu'on va essayer de féconder madame pour qu'elle tombe enceinte. Est-ce que ça vous va? Vous avez dit ce soir? Oui, moi, oui, on a. Ça tombe bien avec mon mari, on n'avait rien à faire ce soir. Un chéri. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vue aussi heureuse, chérie, mais bien sûr, ce soir, on est disponible. Bon, j'avais un petit soirée entre potes, mais je vais annuler, t'inquiète pas, on va revenir ici. Vous voulez qu'on vienne à quelle heure? J'ai un créneau qui s'est libéré, c'est pour ça que je vous propose aussi rapidement. Et ce serait ce soir à 19h30. Voilà, donc revenez à 19h30. Je vais vous donner une petite feuille avec tout ce que vous devez ramener. Hein, monsieur, il va falloir être là aussi, hein, parce que bon, hein, faut concevoir le bébé, hein. Bon, bah écoutez, à plus tard. Trop bien! T'as entendu ça, chérie? On a rendez-vous ce soir et on va essayer d'avoir un enfant. Mais c'est trop bien! Franchement, j'y croyais pas. En plus, ça a l'air d'être. Mais ça a été tellement simple! Et voici El Famoso, danse de la victoire! On va devenir parents! Mais attends, chérie, et elle a dit que c'est pas 100% de chance. Et si on n'y arrivait pas? Chérie, je t'ai déjà dit, restons positifs, pensez positif. On va y arriver, on va rentrer à la maison. On va dire à ta sœur que, vu qu'on habite avec elle, on va dire à ta sœur que on a trouvé une potentielle solution et qu'on sera peut-être parents. C'est pas grave. Et prépare tes affaires pour l'hôpital, lis ce qu'il y a sur la liste et tout. Et puis on revient ce soir, 1 heure à l'avance, histoire de pas être en retard, parce qu'on peut surtout pas rater ça. Allez, viens, on y va, chérie. Alors, Madame Carotte, est-ce que vous êtes prête pour la piquouse? Pensez pas un jour dire oui à une piqûre en étant aussi contente. Oui, allez-y, Madame la docteure. Allez-y. Eh bien, c'est parti. Bougez pas, j'arrive. Hop là, alors. Et hop, voilà, c'est fait. Donc, comme je vous avais dit, c'est pas non plus 100% de chance, mais je pense que dans votre cas, ça devrait très bien se passer. Il va falloir vérifier si vous avez des symptômes de femme enceinte dans les prochaines semaines. En plus, on est en plein milieu de votre calendrier d'ovulation, donc j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour vous. Voilà, donc et si vous avez un test positif, il va falloir revenir pour l'échographie.
À bientôt. En plus, tu vois, chérie, c'était pas si terrible. Allez, viens, on rentre à la maison maintenant, se regarder un bon petit Netflix. Alors, ma sista chérie, comment ça s'est passé à ton travail aujourd'hui? Oh, comme d'habitude, rien de spécial, hein, vendeuse à la FNAC, c'est pas... Voilà, y a rien de ouf qui se passe. Par contre, toi, t'es une actrice géniale, une célébrité. Tu vois, t'as rencontré qui aujourd'hui? DiCaprio, Brad Pitt, Angelina Jolie. Oh, tu sais, hein, Brad Pitt, c'est devenu grave irritant depuis qu'il sort plus avec Angelina Jolie, c'est ultra chiant, mais... Non, c'était assez calme aujourd'hui, j'ai bien... Où je jouais, pas mais pleurer. Bah voilà, elle a perdu tout, elle a tout perdu dans sa vie. C'est vraiment un tournage trop bien. D'ailleurs, on te remerciera jamais assez de nous héberger chez toi. C'est vraiment ultra gentil de ta part parce que c'est un peu compliqué pour nous. Bon. Effectivement, on essaye, voilà quoi. Enfin, comme on essaye d'avoir des enfants, les frais médicaux sont assez élevé, et du coup ça nous coûte un bras, on n'arrive pas à mettre de côté. C'est pas nos petits salaires de vendeurs qui font qu'on pourrait avoir une maison décente à Brookhaven, ça coûte ultra cher ici. Oh mais il y a vraiment pas de problème, hein. Vous faites partie de ma famille, et puis regardez, la maison elle est tellement énorme, j'ai de la place pour y loger au moins 15 personnes, et je suis tout le temps toute seule, et puis bon, de toute façon, hein, m'aide beaucoup, donc c'est cool, moi je me... Sans que la maison elle vit. Ce sera encore mieux avec des petits bouts de choux. Pour les bouts de choux, je pense que ce sera malheureusement pas pour. pas pour tout de suite, hein, parce que bon, je. J'ai toujours pas enceinte. Faudra que j'essaye, hein, chérie. Exactement, même si on n'a pas réussi dès le premier essai, on lâche pas l'affaire, hein. On baisse pas les bras, chérie. Ça doit être quand même déprimant pour toi, toute cette affaire-là, de pas pouvoir avoir d'enfants et tout. Enfin, c'est... Oh non, moi je pourrais pas. Hein. Oh, tu sais, ma sœur, hein, j'ai un mari extraordinaire qui me soutient énormément et il a raison. Faut pas que je pense négatif ou que je pense positif. Attendez, je sais pas ce qui se passe, mais je me sens pas bien. Vite, les toilettes. Chérie, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui t'arrive, ma sœur? Ça va mal? C'est les sushis qui sont mal passés? Je ne pense pas que ce soit les sushis. C'est pas la première fois qu'elle en mange et elle s'est jamais sentie aussi mal. Dans tous les cas, si c'est le restaurant 5 étoiles et leurs sushis sont avariés, je vais leur faire un procès. Ils vont rien comprendre, ceux-là. Hein, je vais les traîner en justice. Chérie, est-ce qu'on a encore un test de grossesse dans le tiroir à côté du lit? Oui, bien sûr, la dernière fois on a dévalisé la pharmacie, on a au moins acheté tous leurs tests de grossesse. Je te ramène ça. Tu penses vraiment qu'elle est enceinte? C'est sûr, c'est pas les sushis, parce que c'est vrai qu'il y avait une petite odeur quand même de poisson bizarre. A few moments later. Alors, ça dit quoi? Ben, je sais pas trop, y a encore rien qui s'affichait sur le test de grossesse. T'es sûr que t'as pas confondu avec ma brosse à dents? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est un test de grossesse, ça se voit, non? C'est vrai que ta sœur, elle a pas tort, ça ressemble à une brosse à dents, ton truc, là. Oh, taisez-vous, laissez-moi regarder ce test de grossesse, là, j'attends que les barres, elles s'affichent. Oh mon dieu, on va être parents, c'est positif! Ça vaut bien une petite danse de la victoire! Allez, demain, on prend rendez-vous à l'hôpital pour voir si c'est bien. Je trouve pas qu'elle est un petit peu longue, là, la docteure à revenir. Je veux savoir les résultats, je veux savoir si je suis enceinte. Écoute, chérie, je pense qu'il est en train de bien analyser les résultats, mais si le test de grossesse il a dit que t'étais enceinte, c'est que t'es enceinte. Ouais, mais je veux dire, c'est pas aussi long normalement, et si c'est long, c'est qu'il y a peut-être un problème. Imagine, c'est un fœtus qui est pas viable. Imagine, en fait, j'ai déjà fait une fausse couche, imagine, c'est pas une bonne grossesse. Qu'est-ce qu'on a dit, chérie? Hein? Appelle-moi. Oui, je sais, tu m'as dit... Pensée positive. Pensée. Et tu as raison, et tu as raison. Test de grossesse, il a dit que je suis enceinte, c'est enceinte. Ça devrait bien se passer, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est très bien, pensée positive. En plus, regarde, la docteure, elle arrive.
Alors, docteur, dites-moi, est-ce que ça a fonctionné? Alors, comment vous dire? Comment vous annoncez ça? Vous commencez très mal, docteur, là. C'est... Vous êtes en train de me dire que je suis pas enceinte. C'est ça, ça a pas fonctionné. On va pas être papa et maman. J'ai pas de bébé dans mon ventre, là. C'est ça ce que... Vous pouvez y aller, hein. On a eu tellement de déceptions dans la vie que... On est habitué. Allez-y, docteur, annoncez-le nous. On en finisse. Ah, non, vous méprenez, hein, parce que pour être enceinte, hein, vous êtes vraiment très enceinte. Hein. Là, je peux vous dire, vous êtes tellement enceinte qu'en fait, la prise de sang, elle révèle qu'il y a tellement de... Je sais plus comment ça s'appelle, le truc pour savoir si vous êtes enceinte, mais il y en a tellement, en fait, que on est presque sûr à 100% que vous attendez des jumeaux, des jumelles. Ah, non, c'est pas vrai, je vous crois pas. Donnez-moi tout de suite vos résultats. Montrez-moi ça, je veux les voir. Chérie, calme-toi, ne lui arrache pas les résultats des mains. Calme-toi, de toute façon, tu ne comprendrais même pas ce qu'il y a marqué dessus. Oh mon dieu, madame, mais calmez-vous, c'est sécurité, venez, il y a une folle, sécurité. Oh, regarde, chérie, il y a vraiment marqué, il y a de fortes chances que ce soit effectivement une grossesse gémellaire qui voudrait dire que ce sont vraiment des jumeaux ou des jumelles. Oh mon dieu. On va être parents. Moi, je te l'avais dit, chérie, que ça allait fonctionner. La pensée positive, c'est vraiment puissant. Par contre, la prochaine fois, tu pourrais ne pas agresser le docteur. Ce serait pas mal, parce que je crois que là, il y a les gardiens, ils sont venus pour nous virer de l'hôpital. Donc, tu es effectivement enceinte, c'est vrai ça? Ouais, c'est exactement ça, et en plus, ça va être des jumeaux ou des jumelles, mais c'est trop génial! Ah bon? Non, franchement, je te crois pas, c'est pas possible, genre toi, enceinte, c'est une blague? Je comprends pas pourquoi ce serait une blague, regarde comment je suis heureuse, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, c'est pas une blague, c'est la vérité. Je suis vraiment enceinte, et on va devenir parents, et parents fois deux en plus! Bah d'accord, bah si c'est le cas, bah je suis contente pour vous, vraiment, je suis contente que vous allez devenir parents, c'est ultra génial. Bon, je dois répondre à un téléphone pour un de mes castings, hein. Je trouve pas qu'elle a eu un comportement bizarre, là, je suis pas sûre qu'elle soit heureuse pour nous. Non mais je pense que, voilà, elle s'y attendait pas, elle aussi elle est super heureuse, c'est ta sœur, donc je suis sûre qu'elle est... ultra contente qu'elle va devenir la tante de nos enfants. C'est juste que voilà, faut lui laisser du temps. Peut-être que elle aussi elle voulait tellement que tu tombes enceinte que maintenant ça lui est tombé comme ça dessus sur la tête. Elle y croyait peut-être pas non plus. Donc non, ça, elle est contente. C'est juste que voilà, laissons-lui le temps. T'inquiète pas. Comment ça, elle va avoir des enfants avant moi? J'ai toujours pensé que ce serait moi la première à avoir des enfants et qu'elle en aurait jamais avec ces problèmes de grossesse, là. Oh, j'ai pas encore eu le temps de trouver un mari et... elle, maintenant, elle est déjà enceinte. Et moi aussi, je vais avoir des enfants. D'abord. De quel droit elle aura des enfants avant moi? Et j'ai toujours tout eu en première. Et là, cette fois-ci, c'est elle qui va avoir des enfants avant moi. Ah. Bon. Faut pas que je lui montre ma déception. Faut que je reste calme et zen. Tati, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on peut faire, Tati? Je veux faire des trucs, moi, Tati, t'as pas des jeux vidéo? On peut jouer à Minecraft, on peut jouer à Roblox, on peut aller sur l'ordinateur, Tati. Vous me donnez mal au crâne, la journée vient à peine de commencer. Vos parents sont au travail, et puis ils m'ont pas dit ce que je pouvais vous faire aujourd'hui, mais attendez que je réfléchisse. Enfin... Ok, j'ai peut-être une idée. Mais c'est quoi l'idée? Moi, je veux savoir, c'est quoi l'idée, Tati? On peut faire quoi? On peut jouer, Tati? On peut aller à la piscine, Tati? Tu nous emmènes à Jurassic Park, à Disneyland de Paris. Oui, je vais aller à Disneyland de Paris. Ah non, moi, j'ai une meilleure idée. Alors, hier, votre mère, elle s'est acheté une robe. Mais, alors, attendez, ça va être un petit secret entre nous. Faut surtout pas lui dire. Mais elle s'est acheté une petite robe rouge, très mignonne. Elle est dans son placard. Et je suis sûre qu'elle adorerait que vous dessiniez dessus avec votre magnifique peinture. Par contre, vous
pas que cette idée, elle vient de moi, hein. C'est un secret, d'accord? Oh, Tati, c'est une robe rouge. C'est trop bien, les robes rouges, on va pouvoir dessiner plein de trucs dessus. Moi, je crois pas que ce soit une bonne idée, hein, parce que si on dessine sur la robe rouge de maman, elle va pas être contente, elle va nous gronder après. Quoi, maman, elle adore nos dessins, à chaque fois qu'on lui donne des dessins, elle est ultra contente. La dernière fois, je lui ai donné une patate. C'était une patate qui dansait sur une grue jaune. Et elle a super tellement kiffé mon dessin qu'elle a montré à tout son travail que le dessin de son fils, il est trop, trop bien. Moi, j'ai pas dessiné sur la robe à maman. Hein. Moi, j'ai dit tout de suite, tu vas dessiner tout seul dessus parce que j'ai pas envie de me faire gronder. Hein. Ouais, bah, t'es trop nulle parce que moi, je vais dessiner sur la robe à maman. Elle va être super contente et puis... Elle va être contente et je dirais, il y a que moi qui ai dessiné dessus et pas toi, nul, gros nul, va. Non mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre la peinture sur ma nouvelle robe rouge? Mais réfléchis un peu, enfin, je t'achète plein de feuilles blanches sur lesquelles tu peux dessiner tout ce que tu veux. Et toi, tu dessines sur ma robe? Mais t'arrêtes pas de faire des bêtises en ce moment, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faut vraiment que t'arrêtes de faire des bêtises. En tout cas, encore une fois, t'es puni et tu vas aller dans ta chambre. Voilà, t'es puni, au coin. Mais maman, mais je pensais que t'allais te faire plaisir. Je t'ai dessiné un pissenlit sur ta robe rouge, c'était joli le pissenlit. Et en plus, je suis allée chercher un vrai pissenlit dans le jardin pour savoir comment le dessiner. Et même si ça ressemble à un poussin, sache-le maman, c'est un pissenlit. dans ta chambre. Oui, je m'en vais dans ma chambre. Tu vois, moi je t'avais prévenu, hein, il fallait pas dessiner sur la robe rouge de maman, hein. Et puis c'est trop bizarre, j'ai l'impression que Tati, elle donne toujours des très mauvaises idées, hein. Mais Tati, elle a dit que t'allais plaire à maman, moi je voulais juste faire plaisir à maman, elle m'a dit dessiner sur la robe rouge, ça lui ferait plaisir. Ouais, ben moi je pense que maman, elle aime pas trop qu'on dessine sur ses robes, sur ses vêtements, elle préfère un joli dessin sur une feuille A4. Et je pense que tu devrais te dessiner quelque chose pour maman sur une feuille A4, comme ça tu serais plus punie et elle serait contente. Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Non, c'est pas possible que ma sœur lui ait demandé de faire ça. Je dois en avoir le cœur net. Je vais aller la voir. En fait, je voulais juste savoir si c'est toi qui as demandé à mon fils de dessiner sur ma robe rouge avec de la peinture. Attends, c'est une blague, t'es vraiment en train de me demander si j'ai demandé à ton fils de faire ça, mais ça va pas ou quoi? Mais d'où tu sors ça, toi, en fait? En fait, j'ai juste entendu dire que l'idée venait de toi, en fait, et que voilà, il t'a juste écouté. Non, vraiment pas, j'ai pas que ça à faire, hein. Moi, j'ai pas 5 ans, hein. Je donnerais ce genre d'idée? Et puis bon, hein, on va dire, je sais pas c'est lequel des deux, mais je voudrais savoir c'est lequel des deux, hein. Ben, ton fils, c'est un menteur, hein. Il a dû avoir le caractère de son père, celui-là. Non, mais oh, ça va pas, je t'interdis de dire que mon fils est un menteur? Pourquoi il mentirait là-dessus? Et puis c'est... Qu'est-ce que tu veux dire par le caractère de son père? T'as un problème avec mon mari? Bah écoute, c'est pas de ma faute si ton mari, franchement, on va pas se mentir, c'est un glandeur. À son travail, il a jamais de promotion, il travaille pas assez, il fait pas assez d'heures, il s'occupe pas assez de sa famille. Hein. Ça va pas dans ta tête? À ton avis, il est où là? Il est en train de faire des heures supplémentaires à son travail, il a son deuxième job, tout ça... pour essayer qu'on puisse avoir une meilleure vie. Et toi, tu dis ça, mais ça va pas, mais t'as un problème. Vraiment, t'as un problème. Non, mais tu devrais le quitter parce que, franchement, c'est une sous-merde. Regarde-toi, t'es tellement belle, t'es une jolie femme, tu pourrais te retrouver un mari séduisant et riche, un businessman, un vrai homme, quoi. Regarde-toi, je te vois ultra mal avec lui, vous allez tellement pas ensemble. Là, tu vas trop loin, arrête, je veux plus t'entendre parler, ne dis jamais, ne redis plus jamais ça, ne me redis plus jamais, je veux plus jamais entendre ça, mais ça va pas ou quoi? T'es ma sœur et t'es en train de me dire de quitter mon mari que j'aime, mais t'es malade. Comme tu voudras, mais sache que moi, ben, je le supporte pas, donc... Si tu restes avec lui, ben, je veux plus que vous restiez dans ma maison parce que bon, moi je le supporte pas, il est trop relou, je l'aime pas du tout. Donc voilà, trouve une solution. Donc moi, ta place, je le quitterai, comme ça tu restes ici avec moi, avec tes enfants. Et lui, il va se trouver une autre maison et t'inquiète pas, je te présenterai, je sais pas moi, un acteur, qu'est-ce que t'en dis, je te présenterai Brad Pitt. Eh ben tu sais quoi, si c'est comme ça et mon soi-disant d'incompétent de mari...
va déménager, on va trouver une solution. Voilà, les jumeaux, ça nous coûte cher, mais je préfère vivre dans une maison saine qu'une maison où leur tante les influence à faire n'importe quoi et dit des choses horribles sur leur père. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est susceptible. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? T'as vraiment une mauvaise mine? J'ai parlé avec ma sœur et la cohabitation va pas être possible. Elle a vraiment une mauvaise influence sur nos enfants. Il va falloir qu'on trouve une nouvelle maison. Ok, je comprends, mais pourquoi ça te met dans un tel état? On a clairement pas les moyens de déménager. On n'a pas d'argent. Les jumeaux, ils nous coûtent tellement cher déjà. Je comprends ton angoisse, mais il faut que je t'avoue quelque chose. Ça fait un petit moment que je fais pas mal de petits jobs à droite à gauche et j'ai pu avoir pas mal d'argent que j'ai mis sous notre matelas. Je te l'ai pas dit parce que je voulais te faire une surprise pour pouvoir peut-être plus tard acheter une maison ou quelque chose pour nous. Mais au final, ça arrive plus tôt que prévu et même si j'ai pas forcément encore beaucoup d'argent, on en a quand même assez pour une location. Quoi ? Mais... Enfin, c'est génial, mais t'aurais pu me le dire. Tiens. Alors comme ça, on me cache des choses. Oh, cet argent va aller dans une poche bien plus intéressante, qui est la mienne. Quoi ? Non, je te crois pas. Si, je ne comprends pas. L'argent, il était bien là. Il était sous ce matelas, exactement à cet endroit-là. Et il y est plus. Je vois vraiment pas ce qui a pu se passer. Je suis désolée, chérie. Oh non, et moi qui ai dit à ma sœur qu'on allait très très vite partir de chez elle. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais je pense qu'il va falloir que je lui demande un délai supplémentaire. Qu'on puisse s'organiser et essayer de trouver une solution. Je sais pas, aller voir une assistante sociale qui pourrait peut-être nous aider. Oh, j'ai vraiment du mal avec cette situation. Bon, je vais essayer de quémander un petit peu de sa clémence jusqu'au moment où on trouve quelque chose. Ne t'inquiète pas trop, ne te mets pas trop dans des états. Je vais faire de mon mieux, ne t'inquiète pas, je vais prendre encore plus de jobs que nécessaire. Je vais travailler deux fois plus, voire trois fois plus. On va s'en sortir, chérie. Je te le promets. Crois-moi. Oh, je sais bien, mais je vais quand même demander au garçon si c'est pas l'un d'eux qui a touché à cet argent. Bon, je vais aller voir ma sœur. Sans cet argent, ils n'iront nulle part. Ça, c'est moi qui le dis. Comme ça, je vais pouvoir virer son mari. Elle sera obligée de rester là avec ses enfants et je pourrai avoir des enfants avec moi. Excuse-moi, est-ce que je peux te déranger un instant? Je sais que hier on a eu une conversation un petit peu houleuse et c'est vrai, je me suis un petit peu emportée. Mais en fait, j'aimerais bien savoir si c'était possible d'avoir un petit délai, le temps de trouver une maison ou quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Ah, oui, tout à fait, je comprends, mais pas pour ton mari. Attends, comment ça pas pour mon mari? Je comprends pas. Bah écoute, moi bien, je t'aime bien, y a pas de problème, t'es ma sœur et t'es de ma famille. Et tes enfants aussi, c'est comme si c'était ma famille, genre c'est comme si c'était mes enfants. Mais ton mari là, je supporte pas, il va falloir que tu le fasses dégager d'ici, je sais pas, je paye l'hôtel même si tu veux, comme ça il va à l'hôtel en attendant. Et en attendant, toi tu peux rester ici, qu'est-ce que t'en penses? Attends, t'es ma sœur, tu peux quand même pas me faire ça, c'est mon mari, c'est... Enfin, je sais que vous disputez souvent et que voilà, il y a des problèmes entre vous, mais je pense qu'on peut agir comme des personnes adultes et je sais pas, si tu veux même, je vais lui parler. Je vais lui parler et tu vas voir, et tu le verras même pas, voilà. Quand il viendra à la maison, il restera dans notre chambre et tu le croiseras même pas dans les couloirs. S'il te plaît, fais-moi pas ça, je suis comme ta sœur. Pas ma faute, si ton mari, il est pas très fut-fut à mettre de l'argent sous son matelas, hein. Attends, mais qui t'a parlé d'argent sous le matelas? Comment ça t'étais au courant? Ça veut dire quoi ça? Non mais c'est toi qui as pris l'argent sous le matelas. C'est bon, j'ai compris. Et c'était ça que t'avais dans les mains tout à l'heure quand je suis arrivée? Hein? C'est notre argent, c'est ça? T'es complètement dingue toi, mais ça va pas.
T'es ma sœur et je te faisais confiance, mais là, t'as dépassé les bornes. Vraiment, j'en peux plus de toi. J'ai tout entendu. Vraiment, ça c'est pas ce que t'as fait. Regarde dans quel état, encore moi je peux comprendre, mais regarde ta sœur. Regarde dans l'état que tu la mets, dans l'état de stress, en plus avec les enfants et tout. Franchement, tu es une très mauvaise personne. Ah c'est bon, je suis désolée, vous pouvez rester tous les deux à la maison pour me faire pardonner, d'accord ? Il en est hors de question. Encore j'aurais pu accepter si ce n'était pas aussi grave. Mais là, tu as carrément dépassé la ligne rouge. Donc moi et ta sœur, on va déguerpir d'ici, tu vas nous rendre l'argent que tu nous as volé. Et même si on ne peut pas encore acheter ou quoi que ce soit, on louera, on trouvera une solution même si on doit finir à l'hôtel. Mais pas une minute de plus chez toi, ça c'est moi qui te le dis. Moi et mon mari, pas fut-fut comme tu le dis, et soi-disant glandeur, mais qui cumule 46 jobs pour pouvoir nous payer un endroit où vivre, on va déguerpir d'ici comme il l'a si bien dit, et tu ne reverras plus les enfants, tu ne me reverras plus non plus, tu ne verras plus mon mari, bon ça je pense que ça te dérange pas trop, et voilà, basta. Ah, ça valait le coup de vivre un petit peu dans une location pendant quelques mois. C'est vrai, regarde ce qu'on a pu s'acheter maintenant. Grâce à tes multiples jobs, on a pu s'acheter cette maison. Bon, on a dû la retaper un petit peu quand même, parce qu'elle n'était pas dans sa première jeunesse. Mais regarde, qu'elle est devenue magnifique cette maison. Il y a une chambre pour tout le monde ici, les garçons sont super contents. Tu nous as creusé une belle piscine. Et tout ça, c'est grâce à toi, à ton travail, ta persévérance. Merci. Non, c'est grâce à nous deux. C'est la motivation d'avoir de très beaux enfants et toi qui as pu très bien t'en occuper pendant que je travaillais. Et en plus, les garçons ne font plus de bêtises. Plus de peinture sur mes robes. Thank you.